Bonjour, donc je suis Claire Letellier, je suis infirmière depuis 2010, actuellement à l'hôpital de Château-du-Loir et passionnée de chevaux cavalières depuis mon enfance. J'ai eu l'opportunité d'allier ma passion des chevaux à mon métier d'infirmière et j'ai pu accéder à la formation d'équithérapeute à la Société française d'équithérapie qui est basée à Souligné-Flacé. Je viens d'être diplômée et j'ai donc pour ambition de développer l'équithérapie en Sarthe. Donc l'équithérapie s'ouvre aussi bien aux enfants à partir de 3 ans qu'aux personnes plus âgées jusqu'à plus de 80 ans. Il y a plusieurs indications. Le cheval, juste par son pas, a un mouvement hélicoïdal. Qui permet une rééducation motrice très intéressante, très complète et qui sollicite pas moins de 300 muscles au niveau du dos. C'est juste un exemple de ce que le cheval peut procurer comme avantage. Donc là, on est plus sur une rééducation purement motrice, mais il y a plein d'autres atouts à travailler en thérapie avec le cheval, qui est un être extrêmement sensible, une véritable éponge émotionnelle, qui est capable de décrypter très finement le comportement humain et notamment le comportement non verbal.